Et salut tout le monde, salut YouTube, nous sommes repartis pour du Marvel Spider-Man 2 sur PS5 en mode spectaculaire. On se dirige à la prochaine quête principale. Mais les inconnues restent nombreuses. Qui est à l'origine de cette attaque? Quelle est l'identité de l'homme qui est des Spider-Man? Je sais pas vous, mais moi, ça me rappelle de très mauvais souvenirs. On a tous été marqués par les terribles affrontements entre l'Underground et Roxxon l'année dernière. J'espère juste qu'avec deux Spider-Man, la ville ne sombrera pas encore dans le chaos. Est-ce qu'on va faire le petit crime? On va aller faire le petit crime avant de... Des chaussettes humides, à vie. On allait faire la quête principale, histoire d'augmenter un peu la répute. Et salut à tous! Eh ben, on a des petits soucis de camouflage aujourd'hui! Hey, ciao! Aïe! Attends, calmos. C'est-à-dire qu'il y a un hélicoptère à gérer aussi, hein. Attention. Ça peut coûter cher. Désolé. C'est quoi ça? C'est quoi ce murder? C'est du poison? La prochaine fois, faites vos affaires dans la rue. Comme tous les criminels. Ok. Wouhou! Je vais atterrir. Ah, j'allais dire pile dessus. Mais non. Il me manquait un petit peu. Hey, Pete! Regarde ça! Pourquoi il a testé ça en première instance? Allez, viens, on va voir ce que ce truc peut faire d'autre. Qu'est-ce que tu fais? De la science, mon gars. Je fais de la science. Alors, Spider-Man, tu l'as dit à MJ, mais pas à ton meilleur pote. Non, mais c'était pour te protéger. Je voulais te le dire, mais... Ouais, je comprends. Et le jeune que tu encadres, c'est lui, le deuxième? Il s'est passé plein de trucs pendant ton absence. Crois-moi, je le sais. J'y vais en douceur. Oups. Je vais faire du café. Je sens que la nuit va être longue. Merde. Il pourrait se trouver un hangar quand même pour faire des trucs comme ça. Peut-être faire ça dans des bureaux ultra clean. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a fait des expériences. Où est le docteur Connors? Il a dû prendre un jour de congé? Non. Il ne prend jamais de congé. Bon, je vais y aller. Hein. Ouais. Ouais, je te rappelle. Ce binôme de science terminé. Il y a des super pouvoirs. Tout s'est enchaîné tellement vite. C'est quoi ça? Pas vraiment une quête. Je capte un signal de Spider-Bot bizarre. Ah, toi aussi? Ganky, c'est toi qui fais... Pas vraiment une quête, mais... Voilà, considéré comme une quête. Il y en a plusieurs qui sont apparus sur le réseau. Dans le sens où...
on va changer de tenue. Parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement, faut qu'on les passe. Faut qu'on les passe, bordel. Ouais, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire ici. Attends, parce qu'il y avait un truc de photo là. Ah, vous me connaissez, on va aller faire le truc de photo d'abord. Les photos bien plus importantes que la quête principale. Ah! Ah, d'accord, bah on va pas faire la photo alors. Ah oui, d'accord, pardon, excuse-moi le jeu. Excuse-moi de vouloir jouer comme je veux à un jeu vidéo. Pardon. Pardon, je voulais pas t'offenser le jeu. Bon bah, ce sera pas pour tout de suite la photo. Spider Boat. Oh, pas mal. Je mets les infos sur le Spider Server. Ça marche. J'essaierai de voir si j'en trouve. Boom. Envoyez-moi les données que vous récupérez. J'essaierai de remonter à la source. Boom. 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 Hey, salut. Niveau supérieur. Ouais, on a passé la nuit à faire des tests sur la tenue d'Harry. Et on a peut-être abusé sur la pizza. Mais c'était vraiment cool. Comme au bon vieux temps, quoi. Alors dis-moi, je suis curieuse. C'est quoi l'araignée radioactive d'Harry? J'avais jamais rien vu de pareil. C'est... du symbiote. Genre de combinaison qui éradique complètement les traces de sa maladie. Le docteur Connors s'est vraiment surpassé cette fois. C'est incroyable. Et le timing est parfait, vu ce qui s'est passé au parc. Une idée de là où ils ont pu emmener Tombstone? Pas encore. Mais si j'apprends... Elle est belle cette tenue, j'aime bien. Ah, t'es trop forte. Ouais. Je sais pas si c'est pas celle du premier Spider-Man, du premier jeu, non? Ça me dit quelque chose. On a toujours... Ça me dit quelque chose. On a gagné un niveau. Et en même temps, on peut améliorer un gadget ou un composant de tenue. Alors, compétences... Est-ce qu'on continue à améliorer notre très cher Peter Parker? La spider ruée en toile les trois premières cibles touchées. Ah, c'est pas mal. Ah oui, je peux pas faire l'arbre de gauche pour l'instant. Ah, mais c'est parce qu'on aura sûrement une nouvelle... soit une nouvelle technologie, soit un truc qui va changer, quoi. En tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui va changer. Et pour pas nous spoil pour l'instant... C'est caché. Impact assommant. Ça, c'est nouveau, ça, du coup. Violente décharge repoussant tous les ennemis à proximité. Ok. Bon, vas-y, hein. Attends, on va devoir faire un choix à un moment, parce qu'on a que 4 emplacements. Sauf qu'il y a 5 trucs. Tire une toile qui ricoche sur les ennemis, pouvant aussi entoiler plusieurs cibles. Ah, c'est pas mal, ça. À mon avis, ça monter à fond, avec les améliorations, ça doit être assez strong, je pense. Il me reste encore des gadgets. On améliore la tenue. Les delta toiles, nanana. Ah oui, ça c'était les delta toiles. Les delta toiles, je vais y arriver, qui permettent de planer plus longtemps. Ajoute une propulsion explosive à vos lancements lorsque vous glissez vers un point L2, R2. Appuyez sur X juste avant d'atterrir pour aller encore plus loin. Ouais. C'est bien, mais c'est pas non plus insane, quoi. L'attrape toile. Ajoute un tiers à votre nombre maximum. Et là, permet d'attraper les objets dans les environnements et les fracasser sur les ennemis. Oui, c'est vrai que ça, on l'avait lu déjà. Ça avait l'air pas si mal. Pas découvert qui est derrière cet étrange Spider-Bot. Spider-Bot, maintenir machin pour activer la mission. Parce que ça fait partie de quoi? Des missions secondaires? Ah non, ça fait partie des... d'une mission, on sait pas. Mission principale, en fait, actuellement. Ça fait genre ça te laisse le choix, mais en vrai, pas vraiment... Salut Yuri. J'ai localisé les adeptes de la flamme dans une clinique désaffectée de China. À deux, on peut retrouver leur chef. On les laisser mourir eux aussi? Pas si j'ai le choix. Écoutez, feu tout flamme. Maintenir machin pour activer la mission. Mais ça va les missions? Si j'y allais, je garderai un œil sur elle. Je pense qu'il faut que je fasse une mission. Une mission secondaire en fait là. Ça non? Avant de continuer la quête principale. Bon, ça veut dire que je peux aller prendre ma photo. Oh, il y a un crime. Bon, allez, j'y vais. Hein.
On peut pas laisser des crimes impunis, c'est pas possible. Bon, même si j'en ai déjà laissé des impunis parce que je me suis déjà fait bolosser plusieurs fois par des ennemis, mais. Hey, c'était criminel cela ou est-ce que c'est les miens? Ah mais y'a Miles. Je me disais à qui est-ce qu'il parle? Oh oui, du coup ça les a entoilés grâce à notre nouvelle incroyable. Oh, vous avez décidé de passer maintenant? C'est trop sympa. À couvert. Libérez-les. Ah, je pouvais renvoyer la grenade. Ce garde devrait le faire. Boum. Bravo à tous. Bravo à tous. Pas de soucis, mais la prochaine pizza post-combat est pour moi. Coucou les araignées, j'ai quelque chose pour vous. Ah. Rendez-vous à cette adresse. Félicia ? Ouais, Félicia. Ah, il y a un Spider-Bot là. J'ai entendu parler de la fonderie Steel à Williamsburg sur une fréquence radio des chasseurs que j'ai tiré. Ok. En fait, c'est. Il aurait besoin. C'est devenu un truc de collectible en fait, de trouver les Spider-Bot. Est-ce que t'es bien arrivé à Paris ? Ouais, nickel. Je me suis dit que je vous devais bien ça, à tous les deux. Même si apparemment l'autre Spider-Man n'a pas daigné faire le déplacement. Ouais. T'as pas à justifier, t'inquiète. On est passé à autre chose. Au fait, sympa ton pote. Ouais, carrément. Merci beaucoup pour l'info. Je crois pas que je serais capable de trouver Tombstone à temps sans ton aide. Ouais, merci. Prends bien soin de toi. Alors, qu'est-ce que je dois prendre en photo ? Ils viendront plus me chercher des ennuis. À plus, les araignées. Miles, je vais m'en occuper. Tu ah, c'est ça ? Ok. Pour rendre ton essai. Mais, et si ? Si je trouve Martin Lee, je m'occuperai de lui. Spider-Man peut attendre. Mais pas Miles. Ok. Mais... Je peux te Love. Merde, j'aurais peut-être dû finir la conversation avec Miles d'abord. C'est la fille de mon Il y a un autre Spider-Bot. Je me rappelle qu'elle m'avait montré l'esquisse avant de réaliser la fresque. New York n'est rien sans ses habitants. Ok, Miles, mission accomplie. Donc, je disais, Miles, je vais m'en occuper. Tu risques d'être en retard pour rendre ton essai. Mais, et si... Si je trouve Martin Lee, je m'occuperai de lui. Spider-Man peut attendre. Mais pas Miles. Ok. Mais... Oh, what the fuck. Daily Bugle. Spiders are mean. Drôle ça. C'est vachement drôle ça, dis donc. Hop les, on a débloqué le voyage rapide. Ok, on va aller faire le crime, puis après on ira faire la quête principale. Vont finir par tuer quelqu'un. On l'a vachement souvent celle-ci, je trouve. Hein. Après, elle est rapide, hein, mais bon. C'est pas le truc le plus bossé, quoi. La prochaine fois, mettez vos clignotants. Mais bon, c'est de la pièce high-tech facile, quoi. Putain, mais il y a plein de nouveaux trucs qui sont apparus. Mamma mia. Mais c'est vrai qu'on peut se TP maintenant ici, on peut revenir rapidement. D'ailleurs, en parlant de TP... Ouais, on va pouvoir aller se TP ici. Merde, c'est quoi le... Voyage rapide. Le voyage rapide ne sera disponible qu'une fois la mission ou l'appel en cours terminé. Ah bon ? J'ai un appel ? Ah mais c'est peut-être... le temps que ça me fasse le truc de progression. Ok. Is that good ? Est-ce que j'ai le droit de me TP maintenant ? C'est good. Oh, trop stylé. Oh là là. L'arrivée était beaucoup trop stylée. Ça met du temps, non ? Mesure de précaution. Tombstone est du genre récalcitrant. Ouais. On se tient prêt. Chasser pour vivre. Vivre pour chasser. Le slogan est pété quand même. Chasser pour vivre, vivre pour chasser. C'est un peu pété comme slogan. S'ils sont là pour moi, je suis flatté.
Maintenez L2 pour viser, appuyez sur machin pour lancer le filin de toile. On sait toujours pas où est le docteur Connors. Ça faisait longtemps que mon père avait pas. On sait. On va trouver Connors. Et si t'appelais MJ pour lui demander de passer chez lui? Alors, danger sur. Dès que j'ai fini ici. Tu fais quoi là? Tu veux un coup de main? Je suis dans l'ancienne fonderie Steel à Williamsburg. Je crois que c'est là qu'ils retiennent Tombstone. Ça ressemble à une mission pour les speeder. Ah merde, j'aurais pas dû faire ça. Ah, ok, c'est bon. Ok, et alors, tu proposes quoi? Il s'est accroché. Enfin, on l'a accroché. Un truc comme ça? C'est pas très clair. Je dois te laisser. Ça grouille de chasseurs dans les parages. Donc tu as besoin d'aide? Non, tu ne viens pas ici. C'est des vrais tueurs. Je veux pas qu'ils te fassent de mal. A plus. Il y a un mec juste là. Putain, j'avais pas vu. Doucement. Boom. Allez, bisous Kana. J'aimerais bien descendre sans faire de bruit. Ok, c'est bon. Il est discret, Spidey. Je vais pas faire une grosse attaque parce que ça. Ça aurait pu le faire tomber et. Ça aurait été chiant. J'assure tes arrières. Quoi? Elle avait vu quelque chose, elle? Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a des trucs qui se détruisent tout autour de moi là. Qu'est passo par ici? Ah mais ils sont deux. Bah regarde, toi tu vas aller voir ce qu'il y a là par exemple. Bah dis donc, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais aller voir. Ah non, par contre... Non, bah non, c'est pas... Non. Ah. Allez, hop. Il fallait que ça en soit que un. Il y en a deux. Plus d'intérêt. Ouais, mission d'infiltration réussie. Ma porte d'entrée. Pour une fois, mission d'infiltration réussie. Je viens d'avoir MJ. Elle a dit qu'elle serait bientôt chez Connors. Super nouvelle. Ouais, je voulais vérifier. T'as bien dit la fonderie Steel? Ouais. Tu fais quoi là? Fond cardio. Il va venir. Je dois vite trouver Tombstone avant qu'il finisse comme scorpion. Il va 100% venir. Le contact avec l'extérieur est perdu. Renforcez la sécurité autour de Tombstone. Appelle des renforts tout de suite. Des renforts? J'ai intérêt à rester discret. Encore à te cacher dans l'ombre? Encore à te cacher dans l'ombre? Suivez l'étoile. Il doit pas être loin. Encore un de moi. Je vais m'occuper de lui. Hein? Mais non. Tu vas t'occuper de personne. L'araignée fera un joli trophée de chasse. C'est vrai que je peux faire un joli trophée de chasse. Ça, c'est vrai. Mais tu commences à être tout seul, mon ami. Hop là, tu seras mon trophée. En douceur. Et eux... Oh putain, ils sont trois, là. Quelqu'un a vérifié. Je vais aller vérifier. Ok, ok. Comment lui, il était sûr? Comment lui, il avait fait? Tu devrais faire attention. Il aurait jamais dû être sûr, lui. Boum. Dans ton cul. Je crois qu'il y en a pas d'autres. Oh oh. Mais non. Vous ne facilitez jamais la vie. J'étais en haut exprès. Ah putain. Et voilà notre troisième Spider-Man. Harry, qu'est-ce que tu fais chez ici? Oh, je te sauve la mise, Spider-Man.
Et de rien, au fait. J'avais l'intention de rester discret. Quoi, c'est ma faute? Tu prends la gauche, fais-moi la droite. Allez, je suis chaud. C'est parti. Me voilà. Franchement, j'aurais préféré que tu te passes la main sur un truc moins compliqué. Quoi de mieux que de s'entraîner en conditions réelles? Trop stylé. Je me suis jamais senti aussi fort. Ouais, t'emballe pas trop quand même. On n'est pas invincible. Mais non, ils sont descendus au moment où je suis monté. Ça se résume pas à tabasser les méchants. J'ai dû faire des choix difficiles aussi. Et les règles du jeu. Joli tir. Aïe. Je l'ai fait. Il va arrêter lui là. Il me saoule. Il attaque trop souvent. Oh, il a un méchant bouclier. Trop stylé. Trop stylé. C'est un lance-flamme ça? Ouais, malheureusement. Je peux pas le fisser. On va devoir trouver un autre moyen de l'arrêter. Fais gaffe. Il y en a aussi sur les plateformes. Je m'en charge. Bouge de la ligne de tir et neutralise les chasseurs. Tu crois que la tenue résiste aux balles? J'ai pas hâte de connaître la réponse. Regarde, on fait quoi? Je suis sur le coup. Retourne à la passerelle du fond. C'était pas chargé. Ah, peut-être parce qu'il y avait plus d'ennemis. Non, ça fait un peu le coup de la panne. Harry, je crois que j'ai une idée pour stopper tout ça. Je sais tout, oui. Là-haut. Aïe. Mais ils attaquent trop souvent eux. C'est un délire. Les flammes font brûler, mec. J'ai une idée. Regarde la cube. Les flammes de l'enfer. Aïe. Je vais m'occuper. Fonce là-haut. Tire. Allez, on a un super vilain à sauver. Super vilain repenti. C'est quand même quelqu'un qui a voulu te tuer plusieurs fois. Il essaie de changer. Et moi, je veux l'aider. Alors, on va... Allez ! Ah merde ! Faut pas les laisser attaquer en premier ! J'avais pas vu qu'il y avait du monde. J'avais pas vu du tout, merde. Oh là, je vais en coller un max là. Ah non, il y a une. Tu peux en coller un nombre. Un nombre maximum de deux, je pense. C'est toujours comme ça. Viens, mon gros. J'ai un nonos pour toi. On est plein de temps. On commence à sentir mauvais. Tu vas porter. Tiens bon! Je sais même pas comment j'arrive à faire ça! Costume de dingue! Je commence à choper le truc, je crois! Tu devrais donner des coups! Ouais, je vais peut-être récupérer mon boss! On est sur le coup! Et oh, il allait me voler ma cible.
Oh oh. Harry, rien de cassé. Ah, arrête. Il faut qu'on se barre. Et vite. Peut-être que si on bouge pas, il nous verra pas. J'aurais mieux fait de me taire. Ils sont là! Et salut tout le monde! C'est quoi ton costume là? Je sais pas! Le bruit de l'alarme m'a cassé la tête! Heureusement que t'as rien! Des flèches, des machettes, des roquettes, des machins, des robots volants! N'oublie pas les robots chiens! Qu'est-ce qu'il va essayer de nous tuer encore? Il y a d'autres lance-roquettes qui arrivent. Garde ton calme. Élimine-les un par un. D'accord. Un par un. C'est pigé, Franck. La porte est pire. Ça devient un peu intense. Il est enfermé où, ton gars? Laissez-moi sortir. Quelque chose me dit qu'on n'est pas loin. Boom. Il est trop stylé. Je sais pas si je suis vraiment à ma place. T'es sûr qu'on peut y arriver? Bien sûr. On est les Spider potes. Grave. Oh, on l'a trouvé. Tu proposes quoi? On devrait aller le sauver. Je vais faire diversion. Toi, essaie de le libérer. Ça marche. Il grandit si vite. Je vais vous sortir de là, ok? Non, c'est impossible. Ils ont piégé ce machin. Je m'en occupe. Oh non. Je te l'avais dit, mais tu t'en fous. Désolé, c'est mon premier jour. J'ai besoin d'aide par ici. Je reviens. Oh la grosse brutasse. On les aura. Oh bah la grosse brutasse, on en a fait qu'une seule bouchée. Tu trouves que c'est le moment de faire des blagues? Attends, mais on a fait une seule bouchée de tout le monde là. Hé, à charge de revanche. On a déjà commencé en vivant. Ça, ça dégage. Mais où est-ce qu'ils sortent tous? Ils ont une espèce d'agence de casting? Il faut qu'on éteigne ce fourneau. Par là. Si on arrive à surcharger la machine avec un liquide, elle devrait s'éteindre. On y va? Ils sont partis. Juste à temps pour arrêter le fourneau. Il est un peu trop à l'aise, Harry, je trouve. Ça va se retourner contre lui. Tout le monde,
merde ou quoi? C'était pas prévu! Désolé! Putain, ils sont vraiment une chie, eux. Hein. Jamais? Ça tombe bien? Nous non plus! Ils sont vraiment une chie, hein. Je crois que la tenue résiste un peu. T'en as de la chance! On a pas le temps pour ça! Qu'est-ce qu'on peut faire? Appelez plus vite! Ça, je sais faire! On doit libérer Tombstone! Il faut fragiliser la cage! Par là! Retire les supports! Tu vas me traiter de tout! Mais c'est une des plus belles journées de ma vie! Bah, tu devrais sortir plus souvent! Y'en a plus que deux! C'est fait en quoi ce machin? Je sais pas, mais le bâtiment est en train de s'effondrer! Et c'est encore! Bah surtout si on détruit des piliers, oui. Attention, ça va bientôt s'écrouler! Impossible d'ouvrir la cage! Peut-être en passant par le fourneau! Non, il fait trop chaud là-dedans! Quoi, t'as une meilleure idée? C'est dur de choisir, hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Maintenant. On bouge. On repasse par là. Oh. Oula. Sortez de là. Tout ça pour finalement sortir par là ? Je fous de ma gueule. Ouais, du coup ils auraient très bien pu le faire de l'autre côté aussi. On y va ! Suis-le ! Ce boulot est toujours aussi stressant. Le yoga a fait des merveilles pour mon mental. Vous voulez mourir ici? On y va! Non, 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 non! On l'a perdu! Panique pas! Dans la vite! Harry! Harry! Il faut qu'on se dépêche! Oula! J'ai pris des barres en métal, là. Comment il a fait pour aller aussi vite, Tombstone, mais... Attendez. Tu vas voir si on a été suivi. Ça marche. Ouais, c'est ça le problème quand on décide de se ranger. J'ai perdu l'habitude de ces conneries, moi. C'était moi une. Les autres ont pas tous eu la même chance. On se débarrasse pas de moi comme ça. Et puis, ils attendaient leur chef pour passer à l'action. Vous avez un endroit où aller ? Ouais. Et s'il me retrouve, je serai prêt. Tu pourras remercier ton ami pour moi. J'espère qu'on se reverra. L'araignée. Ils sont partis. On devrait faire pareil. Ouais. Hé, t'as assuré tout à l'heure. Ah ouais? J'étais sûr que j'avais tout fait de travers. Ouais, c'est le cas. Mais c'est grâce à toi qu'on a réussi. Qu'est-ce que... Attends. Désolé. Je sais pas encore trop m'en servir. C'est sympa. Comment ça? C'est toi qui a... Oh. Ah, bah oui, tiens. C'est plutôt original. On est des vrais spider-potes comme ça. Je vais retourner au labo. Le docteur Connor s'est peut-être arrivé. Ouais, bonne idée. Je te rejoins plus tard. C'est passé quelque chose là. On nous a pris une partie de nos pouvoirs ou je sais pas quoi. What happens? Ah mais je suis avec Miles, je me disais mais attends c'est quoi ce costume trop moche. On va lui changer son costume en parlant de costume trop moche. Oh man, sérieux. Tenue.
Iron Man. Ah oui, c'est vrai qu'on était là-dessus. Ouais, ouais, c'est vrai. Eh ben, allez, mettons celle-ci. Mettons celle-ci. Qu'est-ce qu'on a ? On a déplacement, on a gadget. Améliorer plutôt les gadgets. Je préfère. Et au niveau des compétences. Du coup, là, on va être sur un arc un peu Miles Morales, j'imagine, parce que ça fait un petit moment qu'on est sur du. On est sur du pillar. Le point bioélectrique projette en arrière tous les ennemis situés dans un cône derrière la cible. Projeter les ennemis en l'air tout en les paralysant. Si vous n'employez le saut bioélectrique que sur une seule cible, la recharge de celui-ci démarre à 50%. Ça, c'est pas mal. C'est pas si mal. Ouais, je peux aussi me prendre le composant de tenue. Bah, c'est bon. Viva la vida. J'espère que c'est pas encore parce que t'as vu un mille-pattes. Faut que je fasse le point avec Pete. Salut Miles. Ah, y a un truc de chasse. Alors, quoi de neuf ? Oh, attendez. Tu veux un speeder coup de main ? Je vais attendre en que fait, la conversation se finisse. On a réussi à sauver Tombstone avant que Kraven ne lui tombe dessus. Hein ? Ah bah attends, je te résume vite fait. Tu sais, mon copain Harry, il a un genre de super tenue. Ça rigolait pas en face. Il va nous être sacrément utile contre les chasseurs, ouais. Attends. Ça veut dire qu'il est des nôtres ? En quelque sorte. Ça arrive un peu vite, mais on en parlera plus tard. Faut que je file. Plus tard. Ah, Spider-Bot. Il dit ça tout le temps. Ok. Je vais aller voir ce qui se passe avec moi. Il y a une cache aussi. Une cache et un spider... Je vais y arriver. Une cache et un Spider-Bot. Ça va forcément me toucher. Alors, où est-ce que c'est ? Ah. Est-ce que je peux y récupérer avec Miles ? Oui. L'écharpe donne un style sympa. On va faire le camp de Kraven. Histoire de monter un peu la répute. Dites-moi où est la base. Bah, elle est pas trouvée, c'est moi qui suis venu vous chercher. Bah voilà, c'est évité. Aïe, ça, c'est pas évité. Aïe, on va se calmer, oui. Boum. Oh, il a évité. Le pigeon, il a évité. C'est vous qui avez appelé des renforts. C'est vraiment pas cool. Merde. Changement de position. Allez, dégage. Putain, j'ai pris cher de ouf. What? Mais j'arrive pas à le... Putain, il voulait pas le... Il voulait pas le cibler. Qu'est-ce qu'il protégeait? Allez, petit oiseau, raconte-moi ton histoire. Déplacer le curseur pour trouver le centre de communication. Tu veux bien me montrer ce qui m'attend sur place? Je vais appeler les renforts si j'arrive à désactiver ce relais. Okay. Super. Alors comme ça, t'as visité deux autres affûts près de Harlem. Ça va me permettre de... chercher d'autres affûts. Ouais, genre, ils appelleront pas les renforts... Je désactive un truc avant de les attaquer. Ok. Appuyez sur L3 pour vous percher près d'un rebord. Ok. Super. Je suis ravi. Vous ne connaissez pas l'histoire. Je suis ravi de cette information. Bien gentil après son séjour en prison. Moi non plus. Qu'est-ce qu'on a dans le coin là ? Oh putain, on a masse truc. Oh lolo.
Oh lolo lolo. De toute façon, on est sur une fin d'épisode là, donc on va en profiter pour faire 2-3 trucs. Quand un bec essaie de nous faire avaler, après avoir multiplié... Bon, ça, c'est avec Peter Parker, mais. Qui pourrait oublier la foi ? Au moins pendant qu'on est à côté. Après, je sais pas si la quête est commencée en fait. Est-ce que la quête avec Miles est commencée ? Bon. Peu importe. Peu importe, ça ne change rien. Merci Miles. La science n'attend pas. Bonjour Peter, bienvenue à cette présentation réelle pour nos fameuses batteries de vélo. Ah ! Les fameux vélos. J'aimerais que vous fassiez un tour de vélo en traversant 10 points de passage pour évaluer le comportement de la batterie. Le range vélo de Central Park vous attend. Votre badge vous y donnera accès. Évitons de prévenir la presse. Il est où le vélo? Je veux faire du vélo. C'est un travail pour ce bon vieux Pete. Ils sont là. Allez, un petit... Oh, ça aurait été marrant en tenue de Spider-Man là. Faire du vélo en tenue de Spider-Man. C'était mon rêve. Allez, cap sur le premier point de passage. Pédaler, diriger le vélo. Pédaler plus vite, L2, freiner. Trop marrant ça. Je passe le pont de passage. C'est marrant, c'est des petites activités marrantes. Ils ont presque failli me shooter. Il y a un concert aujourd'hui. MJ, Harry et moi, on a vu de super spectacles dans ce parc. Eh, hey, ce panneau fera une super rampe! Incroyable! Wouh! Énorme! J'ai décollé cette fois! Avec un vélo électrique, quoi. Incroyable. Ça passe! Alors? Il n'arrivait plus à avancer. Wow! Ça, c'est pas normal. Oh oh. Je crois pas que le vélo soit censé tirer des feux d'artifice. C'est dangereux. À ce rythme, la batterie va surchauffer et exploser. Je dois m'empêcher de le rapporter à la station. Hop là. On pourra se décharger sans... Voilà, je fais. Ah, donc là, c'est juste le truc en mode tu peux plus te balader quoi. Il faut se dépêcher. Excusez-moi. Pardon. Plein d'appareils m'ont déjà pété au visage, mais un vélo, ce serait une première. Après, tu peux le foutre dans l'eau, hein. Bon, c'est sûr que ça aidera pas les tests. Dépêcher. Peut-être que je peux évacuer un peu d'excédent en le déchargeant avec... Ah oui. Wouhou. Le pont est bloqué. Faut que je trouve un moyen de passer. Attends, il y a une giga rampe là. Je l'ai vu. OMG. C'est un tout autre jeu. Excusez-moi, désolé. Oula, c'est quoi ce bruit? J'aime pas trop beaucoup ça. Oh, c'était moi une. Oula. La batterie va se vider tranquillement. Mais je dois prévenir le docteur Nguyen qu'un court-circuit semble avoir causé une surchauffe. S'ils ne l'ont pas détecté au labo, les variations... Mysterium découvert. Ah, il y a d'autres trucs de Mysterium. J'ai une idée pour améliorer la régulation thermique. Ça devient un petit truc secondaire, Mysterium, ok. Alors qu'est-ce qu'on a? Composant de tenue, la vitesse, gadget amélioration, des lance-toiles. Tous les trois lancers de toile sur un même adversaire génèrent un rayon dans lequel les ennemis proches se retrouvent entoilés. C'est fort. Impact assommant augmente la distance à laquelle les ennemis peuvent être attrapés. Parfait. Parfait. On peut aussi prendre ça. Alors, les lancements atteignent leur puissance maximale. Qu'est-ce que c'est qu'un lancement? Le saut chargé et le tir lance-pierre vous propulsent respectivement plus haut et plus loin.
Les lancements. Est-ce que c'est genre quand on se balance je sais pas ce que c'est le lancement. Il y a dans les techniques lancement, lancer, comme c'est lancer quelque chose. Mais du coup c'est peut-être ça, c'est les lancements mais pas de moi. Non, je pense lancement c'est plutôt les lancements quand tu te balades en l'air. Lancer aérien. Tu vois. Ah, lancement. L2R2 avant d'atterrir X. Ah oui, c'est ça. C'est vrai que je le fais pas souvent, ça. Bon, peu importe, hein, j'ai envie de dire, parce que pff, ni l'un ni l'autre, je l'utilise réellement. Merde, c'est où ? Composant de tenue. Que ça soit le tir lance-pierre et le saut chargé ou les lancements. Bon, vas-y, on va mettre lancement et puis là. Comme ça, on a mis un truc, quoi. Compétence. Le dernier coup du Spider Barrage libère une onde de choc pouvant percuter d'autres cibles. Ah, c'est pas mal, parce que c'est vrai que le Spider Barrage, c'est pas... Enfin, c'est le moins bien, je dirais. Et du coup, le fait que que ça impacte aussi les autres adversaires autour, je trouve que ça rajoute quelque chose qui le rend un peu plus intéressant, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on avait dit qu'on partirait plutôt sur du Miles. Eh ben, j'ai menti. J'ai complètement menti. Alors, fais voir ce que c'est le mystère, mystère machin là. C'est quoi ? Ça a l'air mystérieux. Un mysterium ? Ah, c'est qu'avec Miles. Je vais prévenir Miles. Bon, hein, comme ça, on retourne avec Miles. Le mysterium. Je suis entraîné à tirer le tarot. Comment qu'on fait ? Ah, faut parler à quelqu'un. Bonjour. Besoin d'aide ? Le Mysterium est infecté par un virus ou un truc dans le genre, et quelqu'un est coincé à l'intérieur. Essaie d'exécuter la condition du point de rupture. Ça devrait réinitialiser le système, mais fais bien attention à toi. Si c'est qu'une illusion, comment ça peut me blesser ? Ça, mon ami, c'est justement ce que nous essayons de découvrir. Alors il faudrait peut-être faire en sorte de... Ah, il y a un classement et tout, neutraliser tous les ennemis. Moins de 1 minute 45 pour l'or. Il faudrait peut-être voir à shut down la technologie, non? En vrai. En vrai de vrai. Oh! Mysterio, incroyable. Bien évidemment, l'ennemi du Mysterium, c'est Mysterio. Spider-Man, c'est vous! Au secours! Vaincre les ennemis. Je vous trouverai! Détruisez-les tous! Oh, t'as cette vie là! C'est ton Mysterio! Oula! Que passe? Tu dois débugger du code en combattant ces types verts bizarres. Ok. Attention au tour de passe-passe, Spider-Man. Le mec était même pas encore apparu qui m'a tiré dessus. Une 38. Bah voilà.
Facile. En sécurité. Facile. Impressionnant. C'est donc pour ça que les gens vous adorent. C'est donc pour ça que les gens vous adorent. Non, ouais, c'est parce que d'habitude, ouais, je réussis plutôt bien les choses. Ouais. Ce projet passionnait Betsy. Malheureusement, d'autres personnes sont piégées dans des mystériums à travers la ville. Eh bah oui. Qui est responsable et que justice soit faite. Toute cette histoire de mystérium est louche. Mais si des gens sont pris au piège, il faut que je les aide. Et que j'essaie de comprendre ce qui se passe vraiment. Eh oui. Bien évidemment. Oh putain. Ah oui. Ah ça m'a presque fait un truc au complet. Alors, on va changer de tenue cette fois-ci. On va changer carrément la tenue. Alors je sais plus où on en était dans les chromas de celle-ci. J'avoue. Ah mais on n'en avait pas acheté des chromas encore. Des chromas. Des chromas. On va passer directement à un chroma. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin? Oula, il y a plein de Kate. Il y a plein de Kate. On a combien de temps de VOD? On a 50 minutes de VOD. On va aller faire un petit souvenir. Un petit souvenir de Marco Polo. C'est vrai qu'il commence à y avoir beaucoup de choses sur la carte là. Donc comme on avance pas mal dans le jeu, on a débloqué toutes les tous les trucs secondaires, les collectibles et tout machin. Il commence à y avoir beaucoup de choses à faire. Mon père a été indirectement responsable de l'empoisonnement de toute la ville il y a quelques années. Eh bien, il semblerait que ses avocats aient encore décidé de mettre des bâtons dans les roues de la justice. Selon notre source qui a assisté aux audiences, il multiplie les motions les plus ridicules pour aller le plus lentement possible. Vraiment, j'aime pas les généralités, hein. Mais de temps en temps, il faut bien dire les choses. Les avocats sont souvent des cons. Où est-ce qu'il est ? À bientôt, les enfants. Ah. Juste ici. Ah oui, ça me donne 100 pièces à steak, un Spider-Bot. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Hey, j'ai une info. Il semblerait que les faux Spider-Bot envoient leur signal à une tierce partie. Tu veux dire que quelqu'un d'autre les suit ? C'est ça. J'aimerais bien découvrir qui. Il faut une photo. Tous ceux qu'on trouve. J'ai besoin d'un maximum de données. Bien joué, Ganki. Grâce à toi, on en sait plus là-dessus. Ganki. Alors, c'est qui le chef de la bande? Donnez-moi ce cristal de sable et je vous laisse tranquille. Et boum, ça c'est réglé. Bon. Vite fait, bien fait. Je leur ai pourtant demandé de nous laisser tranquilles, mais ils s'en moquaient. Ils m'ont capturé avec un filet, et ensuite, ils ont essayé de m'enfermer. Il ne fallait que quelques secondes pour que je me transforme en sable. J'étais tellement haut, mais je n'avais pas... Voyage rapide à Central Park, parfait. Il y avait un... Il y avait une photo, non? Il oui. Aurait eu le même destin que Scorpion. Bah, oh, l'abus! Oh, la drama queen! Oh, la drama queen, on t'a vu, hein? Eh, hey, attends, vous avez le même pull? What the fuck? C'est parfait pour Robin. Je peux danser moi aussi ou pas? Est-ce que c'est... Putain, je suis pas l'araignée cool du quartier quoi. Je suis pas l'araignée cool qui commence à taper un petit break. Est-ce qu'on irait pas faire la quête de Peter Parker là, la quête secondaire juste à côté? Elle est juste à côté, ça va. Vous me permettez. Plus Miles, la science m'appelle. Ah, les guêpes. Peter,
Merci de nous aider pour nos tests d'apprentissage machine. À l'image de ce que vous avez déjà fait à la Fondation Émilie May, nous enseignons à nos drones à se repérer dans la nature. Ce message reprendra quand vous serez prêt à commencer. Mm-hmm. Ok. I am ready. C'est un test en deux parties. Ah oui, c'est faut détruire. Ce qu'il doit prendre pour cible afin de protéger notre population d'abeilles. Cool! Une formation de drone abeille. Oh, et vous devrez le faire avant que le drone ne soit déchargé. On va se pencher sur l'autonomie, promis. Allez, c'est parti. Youhou! Non merci, vilaine Jeff! Ah merde! J'ai détruit un rat. Filez, Philanthus. Peut-être pas détruire les rats. Vous êtes où ? Je t'ai eu. Joli ! Vous avez assez de données. Pour la deuxième partie du test, vous allez apprendre au drone à identifier les sites de nidification optimaux. Des nids d'abeilles ? C'est parti. Cherchez les drapeaux. Ce sont les meilleurs endroits pour s'établir. Ah ok, il faut que je rentre dedans. C'est parti. The party. Je suis agent immobilier pour abeilles. J'adore recherche appartement au nid d'abeilles. Bonne blague, bonne blague. Bingo. Oui, oui, on. Vous avez réussi. Le drone va rentrer en pilote automatique et transférer les données. Merci, Peter. Pas de soucis. Ce fut un réel plaisir. J'espère que ça aidera le Dr. Young. My pleasure. Niveau supérieur en plus. C'est pas incroyable. On va changer de tenue. Oh, stylé celle-ci. Très très stylé. Augmenter les dégâts. Ça m'intéresse. 10% supplémentaire de dégâts. Boum. Compétences. Qu'est-ce que nous avons là? Le speeder volé émet une charge électrique qui étourdit l'ennemi pris dans son rayon. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal parce que ouais, aussi la speeder volée c'est pareil. Ça fait monter tout le monde mais après, c'est pas grand-chose quoi. Par ça. Et bon, vu que tu peux te focus sur qu'une seule cible en même temps. Voilà, ça permet d'électrocuter toutes les autres en même temps et donc leur faire des dégâts supplémentaires, j'imagine. Donc c'est vraiment pas si mal. C'est vraiment pas si mal. Ok. Bon, il y a un truc mysterium là-bas, mais on va pas le faire. Le camp, on va pas le faire. Good, je pense qu'on va arrêter la VOD ici, les amis. Je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine pour continuer l'histoire principale. Ciao, ciao!